Bonjour, 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 bonjour. Comment nous y là, comment nous y est, comment nous y est. Bon, salut, nous. Eh, bon, salut, nous. C'est un plaisir, ma vie, nous, déjà, là. Ouais. Matin. Hein? Oh, l'autre. Ouais. On t'y salue, nous, matin, merci. Basi ou e bou sal yo matin yo. E bou sal les yo. Bonjour, bon dimanche. Comment nous dit bonne semaine. Belle semaine qui commence devant nous là. Salut nous. Matin yo là. Mal fonti parler avec nous sur l'état monde là. Et puis, sur situation d'Haïti. Réflexion que moi je fais là, je dis là, c'est sous problème crise systémique que nous avons rencontré dans le pays d'Haïti et qui ne date pas d'hier. C'est une crise qui a une généalogie qui remonte jusqu'à 1806. Et il y a une difficulté que m'a marqué surtout dans la démarche que majorité ou bien la plupart de nos intellectuels toujours confrontés, c'est l'incapacité pour capable inscrire un phénomène ou bien une situation dans une généalogie ou bien une temporalité qui allait au-delà de 1806. Maintenant, qui allait au-delà de 1986, je dirais. Maintenant, nous remarquons, bien entendu, d'intellectuels que nous avons gagnés dans l'Antiquité, après nous finissons pour l'indépendance, nous, ces intellectuels-là, réflexion, ils ont analysé qu'on couvrit une période de temps extrêmement large, longue même. On est capable de dire qu'on a réfléchi sur 100 ans. Sur un siècle, qu'on produit une réflexion sur 150 ans, qu'on couvre cette période. Mais ma remarque, depuis quelques temps, il y a une logique de rupture dans la capacité de produire réflexion. Et ça vient expliquer en quelque sorte le fait que, je ne j'ai dit, hein, nous avons une carence qui existe en dedans de la société haïtienne. Nous avons l'esprit peuple à pauvre, et jeunes garçons, jeunes femmes pas intéressés dans la question l'école encore, dans la question connaissance, savoir, dans la capacité pour y réfléchir, y a plus intéressé dans un cap bouillisin, cap palé, cap tendé, ignorant, ou bien monde qui en quelque sorte pas de capacité pour y réfléchir. Et nous venons tomber dans la deuxième catégorie situation, côté que, à force que les problèmes ont accumulé sur nous au fil du temps, nous venons tomber dans la paresse intellectuelle, côté que nous avons cherché des solutions rapides. C'est-à-dire que, au lieu de nous réfléchir sur des problèmes d'ordre structurel, nous réfléchissons sur des problèmes conjoncturels et nous essayons d'apporter des solutions conjoncturelles. Et c'est ça qui explique en quelque sorte la situation nous y est là, je vous dis. Je vais vous donner un exemple de ça, c'est que pour exemple comme Madame Maniga. Madame Maniga, en quelque sorte, je ne j'ai dit, qui trouvait dans le pouvoir de transition, ça, et avec André Michel et comment il s'appelle, avec Ariel Henry, et moi-même, quand il y a un monde qui trouvait que comportement Madame Maniga, comme si moi j'avais juré, moi-même, ça n'a pas étonné. Le comportement de Madame Maniga n'a aucun cas pas étonné, mais pas fait. Il n'est pas fait ni chaud, ni fouette. Parce que nous savons, nous ne pouvons pas admettre que grand monde haïtien, à un certain âge, ils viennent vivre, ils vicieux. Ça me fait nous comprendre. C'est une culture liée, c'est une manière de. Il fait partie d'existence, nous, de comment ça nous opérer. C'est que grand certain âge, grand monde, ils viennent vivre, ils viennent flexibles, ils perdent rigueur, ils perdent capacité pour qu'ils aient un peu de gloire, ils plus entrer dans la dynamique de.
de yo wèj yo pral bari yo, yo pral mouri, ambition yo pa ka aten, et puis yo vin opportuniste, n'importe si opportunité ou joine en quelque sorte, pour nous chercher une façon pour la sous ses eaux, pour la derrière de graines, pour li ou elle pral mouri, jou bari li, pa ka président encore, ou bran, li fait deux tentatives pour le wèj da président, bon ça va arriver, bon je non vieux job. Yon vie job yon mette li, c'est normal pour grand moun nan pranti chance li avant qu'il mouri. Bon, pour non ka inscrit dans l'histoire de ce pays. Maintenant, il faut comprendre que moi-même, m'pa produit réflexion sur modèle de comportement ça parce que li fait partie de culture nous. C'est comme ça grand moun yo yé. C'est comme ça grand moun yo nous yo yé. Son dal grand moun qui en quelque sorte vicieux, yo incapable pour yo réfléchir sur problème. Société a pas capable pour produire une réflexion pour quitter quelque chose de meilleur pour génération qui va venir après yo yo incapable en quelque sorte pour yo capable c'est moun qui grand goût c'est on dal moun qui grand goût son dal grand moun qui souffle au coûte y a veillé et y a veillé qui opportunité de présenter pour y a le sous son mante. Normalement, pour y aller faire ti cobrita en mettre yo ti ça ou pas de gain chance pour yo accompli. Normalement, et puis y a le parce que c'est pas une question de principe. En quelque sorte, soit chercher question de principe ou pas jeune ni dans la communauté haïtienne, surtout chez nos grand moun sa yo, nous pas jeune ni. Parce que pas de conviction, c'est moun qui très flexible, très malléable. Normalement, yo très malléable, très flexible. Depuis yo suspect jou barrio nuit barrio yo prêt pour yo faire n'importe bagay et puis ou a saisi ouais comment yo descend bas ou saisi ouais dans qui point yo descend bas puis ga nous bay tête nous problème pour ça parce que me connais yo pas capable produire réflexion au-delà de boutné yo vraiment et c'est bien malheureux que nous trouvons nous là parce que et ça que fait mal c'est parce que en quelque sorte n'est toujours dit nous ça intellectuel en Haïti vicieux. Mounou est intellectuel en Haïti très vicieux. Et problème grand goût qu'a réglé, c'est pas problème comme si principe, c'est pas problème comme si connaissance, intellect qu'a réglé, problème grand goût, problème moun qui a soif de pouvoir, moun qui besoin paraître, son dal grand moun qui pour que j'aime satisfaire un série de petits besoins élémentaires, petits besoins primaires. Il y a prétendu une opportunité pour y aller sous son petit zoo, pour y aller jouer un petit privilège dans l'État. Mais ce sont des mouns qui pas qu'à réfléchir pour l'État. Qui pas réfléchir parce que mes irréflexions et mes imoudanés, ils n'ont pas allé plus loin parce que ça. Mais vous êtes d'accord tout, nous sommes pays sous-développés, nous sommes pays qui pauvres, mentalité nous pauvres, façon nous réfléchir pauvres. Ça veut dire, mouns n'ont pas qu'à aller plus loin parce que, n'ont pas qu'à aller plus loin parce que mes inés nous tout. N'ont pas qu'à penser le grand, n'ont pas qu'à penser nous pas capable plus loin que ça nous connaît que ça nous gagne à disposition nous que ça nous est chaque jour dans la vie nous dans la société haïtienne dans ça nous est c'est pauvreté c'est misère c'est grand goût comprendre c'est l'ignorance c'est analphabétisme c'est gang c'est loup-garou c'est malfaiteur c'est baboun coup de poudre c'est baboun coup de poids c'est voler moun casser mou moun moi pral bon soin tel moi pral passer soin tel et ça seulement nous gagner comme qui était en dans société pas grand de bon. Pas grand rien de bon moun ka accoucher en dedans société haïtienne. Non, parce que son société qui pourrit, son société en soi qui finit. Pas grand moun ka réfléchir sur société a. Ou pas ka expecte en quelque sorte que yo fait un moun qui fait partie de société ça pral ba un bagage de nouveau. Qui bagage li pral gagner de nouveau? Li pas ka accoucher en rien de nouveau parce que les ingrédients pour ta gagner, pour ta produire une réflexion nouvelle, li pas yo pas à disposition. Son société qui bourré avec moun qui aliéné, moun qui grand goût. Moun qui pa wè mezi tounen yo qui pa même comprendre comment monde là a fonctionné pays a sale yo grand goût pays a pauvre yo pa ka manger yo nan misère li a voye pres sou l'autre li a voye coup de pays ba sou l'autre ti gang ou pa se ti bagay gang a sa pat nan régler pa gen moun ki ka réfléchi sou pays a long terme et ti bagay gang a sa pat se ti iso ti la pli ti ti vite l'homme ça veut dire nous rivé non point c'est ti gang ti bagay sale n'a cap semer la terre cap gouverner et lorsqu'on est des intellectuels des soi-disant intellectuels qui pis sort passer iso des intellectuels qui pis imbécile passer iso
et yon a vénéré. Qu'on y a ou même ou pral mande pour me vénérer, pour me respecter madame Maniga, pour me respecter dans l'intellectuel dans le pays. Dans ce temps, ces intellectuels là, yon pas j'aime réfléchir sur un modèle de société qui pou pata accoucher iso bon moi. Ces intellectuels là, yon pas j'aime réfléchir sur une société qui pata j'aime bon iso ti la pli, ti monsieur Sao. Parce que, imaginez-vous bien. Si nous te gagnons des intellectuels qui t'a réfléchi sur un modèle de société, côté que yo t'a a réfléchi à des mesures de prévention pour éviter que société ça pas déboucher pour l'accoucher, pour le caler, pour le donner ti iso, pour le caler, pour le connait, pour le donner ti gang ça ou ça pas ça. Si nous te gagnons des hommes et des femmes qui t'a réfléchi pour 100 ans, qui t'a réfléchi pour 200 ans, qui t'a réfléchi pour un siècle, pour moitié d'un siècle. Son dal moun qui réfléchit pour mezi gren, mezi ti bout bounda ou mezi diri a poa. Maintenant, comment vous voulez, pour me capable vin di ou abdin pour me respecter moun za yo? Comment m'bal respecter yo? Qui respect? M'bal gen pour yo. Son dal grand goût, on dal moun qui baga manger, son dal moun kap cherche faveur l'état, kap cherche tannon ti opportunité pour yo vin sous se onzo, pour venir sous son menton, on dal raté, on dal fini, on dal loser. Comment on voulez-vous qui respecte m'bal gagner? Pas ka gagner. On dal moun ki di à l'école, yo pon société yo la gèl ba gang, on société yo la gèl ba champwel, yo société yo la gèl ba lougaou. Si nous remarquez bien, c'est ça sincèrement, oui grand moun en Haïti fait. C'est faire malfaiteur, voler lougaou, et kembe pays en ignorance, craser tout ça te gagner. Yo pas réglé, c'est yo pour jeunesse. Et puis, au prêt pour avoir une jeunesse là, pas bon, jeunesse là, c'est si, c'est là, jeunesse là, côté si, jeunesse là, côté là, qui ça yo te quitté pour nous? Qui ça jeunesse là, te qui ça moun ça yo te quitté pour nous? Qui ça yo te quitté pour jeune garçon, pour pays, pour société à patrivé là? Qui rempart yo te mette? Qui sentinelle yo te mette? Qui garde fou yo te mette? Son dal moun ki te toujours fait style, yo jeune petit boussal étudiant en Europe, grand goût, fait arriver, les arriver en Europe, yo arriver États-Unis, yo saisi ouè blanc, yo saisi ouè chita beaucoup de blanc, les retourner en Haïti, vinn parler français dans figimoun, yo nan mentalité yo pauvre, yo pa ka produire réflexion sérieux, utilisent une série de gros mots, de gros phrases pour kembe peuple là dans ignorance plus. Comment vous voulez une société qui a 80% moun là dedans qui pa konn li, pa konn écrit? Ou pensez société ça va évoluer? Qui côté le brali? Qui côté le brali? Bon moun yo pauvre, yo pa kon li, yo pa ka réfléchi. Bon, qui ça nous respecte? Nous pas yo pa gen accès à connaissance, yo pa gen accès à savoir. C'est ouais après moun ça toi disant kon li yo pisot parce que ça pa kon li yo. On dal moun qui gen diplôme qui pa étudier en merde. C'est grand goût bagay vente, bagay grand goût y a réglé, bagay a fait pas bon y a réglé. Bon on a qui son respect? Tay moun a vinn bat a vinn di oh oui pour nous respect qui sont respect qui grand moun en Haïti là a pas de faire malfaiteur a pas de voler louga ou a pas de prendre point faire bagaille sale qui grand moun en Haïti qui ka reproduit qui ka produit une réflexion solide qui pour convaincre nouvelle génération ça nous gen là qu'elle te quitte un bagaille sérieux pour nous qui ça quitté de 1986 c'est parce que nous dans société nous pas ka réfléchir là dans qui veut nous pour ça. Maintenant le problème qui se pose, comme dit nèg, yo pa réfléchi, c'est normal. Tout d'abord, pour réfléchir, pour produire une pensée, une réflexion qui est solide, gen des outils qu'on besoin. Premier outil indispensable qu'on besoin pour réfléchir, c'est une langue. Parce que langue, en tant que système de symbole, ok, ou besoin symbole ça, de façon à ce que pour capable construire des concepts. Yon concept sont outils indispensables pour produire yon pensée, pour la production de la pensée. Maintenant, pour produire yon concept, ok, parce que concept là, en quelque sorte, c'est lui qui permet tout et construit une certaine représentation de la réalité. Ok, la réalité en tant que telle. Dernièrement, m'a parlé avec un camarade, un ami, et puis monsieur Abdimbo, Lavoisier, écoutez, n'a parlé de fait. Monsieur a parlé de fait. On dit, monsieur, le fait, c'est une construction sociale. Monsieur, pas comprendre ça, me dit. Monsieur dit, mon cher, oh oui, soit parler, avancer des faits. Me dit, mais, soit entendre par fait. Qui soit entendre par fait? L'a parlé de fait. Vu retourner, n'est qu'à parler de fait. Oh oui, il faut parler de fait. Les faits, la raison, c'est là. Oui, il faut argumenter. Il faut supporter avec des faits. Venir avec. Me dit, monsieur, qui sont en train de faire?
qui sont en train de pas faire. La prépète est faite, mais pas dit moyen de faire. On dit un fait n'est pas la vérité. On dit soit produit une réflexion sur ce qu'est la vérité ou bien la vérité scientifique. C'est tout un enchaînement. Il faut identifier les liens logiques pour construire, pour essayer de comprendre une vérité. On dit vérité ça en quelque sorte. L'on construit. C'est pas une vérité qui chita en quelque sorte sur une réalité naturelle, non? C'est pas une vérité naturelle, non? C'est une vérité constructive. C'est une vérité que l'esprit produit à partir de la raison du bon sens, à partir de liens logiques, ou construit une vérité. Mais vérité, ça l'y inscrit dans la temporalité. Les faits sociaux, les faits politiques, les faits économiques, ou en sciences sociales, tous ces faits, ce sont des constructions. Ou c'est dans sciences sociales, ou après réfléchir, ou après raisonner. Tout fait ça, ou après les soirées, les faits en sciences sociales, ce sont des constructions. C'est le produit, en quelque sorte, de l'ensemble des interactions en comportement humain. Comment? Un comportement humain qui produit faire. Maintenant, l'on prend faire comme acquis. Ou prend faire comme réalité définitive. Ou pas inscrit dans la temporalité pour évoluer et comment faire évoluer. C'est un problème lié. Comment on peut le faire? Comment on peut le faire avant son fait? Même l'autre a utilisé méthode quantitative. Ou utilisé statistique. Pour dire, ok, c'est toujours sous un échantillon qu'on produit une réflexion. C'est toujours sous un échantillon. Que ce soit, méthode quantitative, que ce soit méthode qualitative, ou a toujours besoin d'un simple échantillon pour produire une réflexion. Parce que, en réalité, ou pas gain suffisamment de outils pour capable analyser, saisir, yon gros ensemble, un gros donné, ensemble, en réalité. Ce qui explique, en quelque sorte, saurait les faire, li toujours limité. C'est un fait qui inscrit, qui construit, mais qui est limité. Maintenant, c'est ça que fait. Les nègres ont parlé. On dit, monsieur, mais écoutez, en pays d'Haïti, où elle était tout, on a parlé de science, on a parlé de réflexion, on a parlé d'analyse, on a dit, mon pour l'avancer des faits, pour supporter yon thèse, ou bien pour supporter yon action, ou bien yon postulat que l'avancer. Maintenant, les faits, ou considérez les faits comme vérité. Les faits pas synonyme de vérité. Les faits pas égal vérité. Les faits pas égal à vérité. La vérité, c'est une construction, c'est un narratif. À qu'on fait à partir des faits. Les faits, fait yo ap et do construit un narratif. Parce que la vérité, c'est un langage, c'est un discours. Les faits servent à construire ce discours. Les faits servent à organiser. Sous un paquet de faits, non, mais on va organiser, ou pas structurer, ou pas acheminer pour construire ça, ou il y a un discours. Et à partir de ce discours-là, on est capable de parler de véracité, on est capable de on va regarder, analyser les liens logiques, on va regarder de véracité, on va analyser véracité, on va analyser et degré de profondeur, degré de coopération, discours ça avec réalité, hein. Mais on va pas dire comme ça que au roux prend fait. Ça montre que nègre là en Haïti, il a réfléchi mais il réfléchit de façon limitée. Son dal nègre comme si qui à l'école yo étudie. Mais problème qui passe c'est que ti monsieur sorti en Haïti. Là yo fait sorti en Haïti, yo entré dans l'université l'État, yo fin faire retour, fin faire fellow, yo entré dans l'université l'État. Ou bien dans l'université en dedans dans pays là. Là yo rentré dans l'université, c'est pour la première fois, yo pral initier yo à la pensée. Et pour la première fois, il va le faire face, il va l'apprendre en série de penseurs, et européens et occidentaux. Il va l'initier avec et Max Weber, il va l'initier en sociologie, il va l'initier avec des penseurs en sociologie, en sciences politiques. C'est pour la première fois, il va l'apprendre, il va l'exposer avec des pensées, des penseurs. Maintenant, il après citer des penseurs, mais demander qui ça ont pensé en soi, il va connaître. Qui ça te fait un penseur, c'est un penseur? C'est parce qu'il a produit une pensée. C'est parce qu'il a produit une réflexion. Maintenant, leur demande, quels sont les mécanismes suivant lesquels, yon penseur. Ça fait toujours une différence entre intellectuel et penseur. Yon intellectuel, pas forcément yon penseur. Yon intellectuel, c'est un monde qui voue là en activité et intellect. Mais yon penseur, c'est un nèg qui produit yon pensée systémique et systématique, qu'a préféré sur des ensembles grands. C'est ça, un penseur. On m'a pas qu'à venir prendre, ou pas qu'à venir ni pour dire que ça, oui, activité intellectuelle. Comme dire, parce que, y'en a qui confondent activité académique pour activité intellectuelle. Y'en a qui confondent aussi, ou activité intellectuelle avec, yon penseur.
Yon penseur va passer li qui en quelque sorte et nous gagne intellectuel en Haïti mais nous avons pas des penseurs. OK? Nous gagne intellectuel n'est cap jouer malin mais nous avons pas des penseurs. Parce que un penseur c'est un responsable au niveau de l'esprit. La différence entre l'intellect et le penseur, l'intellectuel et le penseur est responsable de sa pensée. Le penseur est responsable de la production de sa pensée. Il y a un degré de responsabilité qui, en quelque sorte, entache le travail du penseur. Contrairement avec un intellectuel qui pensait le cachita là, et puis le caca, le cracher n'importe bêtise dans Figimoun, et puis le page non penseur. Maintenant, pour comprendre la différence. Le penseur, en quelque sorte, c'est un nèg qui chita, qui analyse, qui a fait un assessment, évaluer le travail d'un intellectuel. Un intellectuel qui doit produire un travail. C'est un travail intellectuel, mais le penseur lui-même, la chita, pour le capable d'analyser, évaluer la profondeur et le degré de l'engagement du travail de l'intellectuel. OK? Et c'est là tout problème, non? En plus, le monde va comprendre. Un intellectuel, peut-être, c'est un problème solveur. Un intellectuel, c'est un problème solveur. Il fréquente là un petit problème, ok? Il réfléchit sur des problèmes d'ordre conjoncturel. C'est ça, un intellectuel. Un intellectuel, c'est un nègre qui avec un petit problème, un petit phénomène devant, et puis l'a réfléchi sur lui, l'a décrit lui, l'a regardé qu'il y a le gain. Ça, c'est le travail d'un intellectuel. Mais le un penseur, c'est son nègre qui réfléchit sur des ensembles. Un penseur, c'est un nègre qui produit une réflexion alternative. C'est-à-dire, il produit quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. C'est ça, en termes de système. Et ben, un nègre qui vient chita la capran, c'est bêtise. C'est ça que fait. Ouais, les grands penseurs, ils ont réfléchi sur des crises systémiques, ils ont réfléchi sur des problèmes sociétals. Sur des problèmes d'autres sociétaux, ils ont réfléchi sur des problèmes qui englobaient la société. Vous comprenez? Mais on est intellectuel, nous gagnons en Haïti, si on a le rancé bêtise. Dernièrement, on entendait un nègre qui a parlé à un nègre qui a dit, oh oui, et madame Aniga son intellectuel. Moi, je dis, ceux qui sont chita, on dit, oui, me dit madame Aniga son intellectuel. Mais madame Aniga pas un penseur, pas qu'à penser. Il dit, ça me dit pas là. Il dit, non, écoutez, madame Aniga c'est un intellectuel. Mais madame Aniga n'est pas un penseur, il n'est pas qu'à penser, il n'est pas produit réflexion. Oui, son dame qui étudiait et qui étudiait l'histoire des constitutions, son constitutionnaliste lié étudié. C'est-à-dire que pour madame Maniga réfléchit, ok, pour réfléchir en quelque sorte, il a besoin des ingrédients, il a besoin d'un système juridique pour réfléchir, pour le produire. Il va pas produire en dehors de ça. C'est-à-dire tout mécanisme de réflexion ni. Faut le besoin, ça aurait une constitution. Mais prof là qui sauve les dit voilà. Celui qui a pensé, le penseur, c'est celui qui a produit, en quelque sorte, ça aurait une constitution. L'intellectuel, en quelque sorte, lui réfléchit sur la constitution. Maintenant, c'est ça. Parce qu'il faut l'étudier constitution, hein. Ok? Il faut étudier constitution. C'est ça qui veut madame Maniga. Lila, ils sont constitutionnalistes. Là, chita, ils ont appris ni qui ça en constitution y est. Ils apprennent ni différents types de constitution. Ils apprennent ni l'histoire et constitutionnelle. Ils étudient bagage. Et puis qu'on y a là, ils réfléchissent dans le cadre référentiel de yon constitution. C'est ça le fait. Mais ils pas qu'à réfléchir en dehors de ça. Ils pas produit yon constitution. Ça veut dire que madame nan en quelque sorte l'elgain qui est-ce qui vini avec l'idée de constitution. C'est ça, celui qui est venu à l'idée de constitution, c'est lui-même qui pense cela. C'est-à-dire il a couché quelque chose de neuf, il a couché un concept nouveau, il a couché un bagage qui est différent. Mais yon moun k'ap réfléchi en quelque sorte sous ça que yon penseur a couché. Ils sont intellectuels, l'a utilisé intellect li pour analyser, pour l'appréhender, pour le comprendre, ça, il produit. C'est-à-dire, là, le produit, on t'y analyse, on t'y réflexion sur sa pensée à produit. C'est ça. Maintenant, laisse-nous parler de, et sociologie. Laisse-nous parler de sociologie. Sociologie, en quelque sorte. Ok. D'accord. Mais, ou pas, les penseurs. Et après, vous parlez de la pensée et pensée sociale. C'est un monde qui a accouché une nouvelle pensée. Une idée, une nouvelle pensée qui est différente.
de ça que Mounio, de ça que nous habituons avec. C'est-à-dire, les conceptualiser réalité, faits sociaux, les conceptualiser, les accoucher des concepts. Et puis, à partir de ces concepts, ils mettent dans une situation pour réfléchir sur lui ou même qui sont intellectuels. Mais lui-même, ils sont en penseur. Parce que lui pensait de façon systémique avec une réalité, lui représentait au niveau de la pensée. Lui produit une pensée sociale. Ok? Yon penseur qui, en un domaine, ça aurait les politiques. Ça aurait les politiques. Mais c'est un penseur. Pourquoi ça c'est un penseur? C'est parce que accoucher un modèle politique nouveau. Un modèle politique nouveau. C'est-à-dire, lui produit quelque chose de neuf. Qui est différent de ça qui vient là. C'est ça, un penseur. Lui, réalité à devant. Premièrement, lui entre dans dynamique de compréhension avec réalité, hein. Deuxièmement, lui entre dans dynamique de négation avec, d'opposition d'abord. Ok? Il s'oppose à la réalité. Réalité à telle qu'elle présente devant lui opposé à elle. C'est ça le comportement de penseur, contrairement avec un intellectuel. Intellectuel. Il même chita, ok, il inscrit tête, il a un rapport avec la réalité. Il accepte la réalité comme fait. Il accepte la réalité comme évidence. Il pose la réalité comme évidence. Mais le penseur lui-même, il pas posé la réalité comme évidence. Il pense, il concevoir la réalité comme construction. C'est-à-dire que c'est une réalité qui est construite. Ok? Moi-même, en tant que penseur, premier travail, moi, c'est entrer dans un rapport, dans une dynamique de négation avec la réalité. C'est-à-dire, moi, poser la réalité comme construction sociale, et à partir de là, moi, j'ai un job qui c'est déconstruire la réalité. C'est-à-dire, moi, entrer dans une dynamique de déconstruction, et puis moi-même, pour accoucher au niveau de la pensée, une nouvelle réalité autre que la réalité que j'ai là. Et c'est ça tout le problème qui différencie. C'est ça qui fait nous, ouais, nous avons 100 ans là, nous avons plus passé 200 ans à vivre même réalité, yo, parce que nous acceptons réalité yo, comme évidence, nous acceptons réalité yo, comme fait, nous acceptons réalité yo, comme imposé à nous-mêmes, vous comprenez? Et depuis nous avons comportement ça vis-à-vis de la réalité, c'est normal pour nous subir la réalité. Mais nous pas jamais réfléchi pour nous dire que cette réalité, c'est une construction. Cette réalité, c'est une construction sociale. Maintenant, si vous posez la réalité comme construction sociale, ou pas posez la réalité comme évidence, ou pas posez la réalité comme étant évidence, comme étant un bagage qui qu'on pas qu'à surmonter, c'est normal pour entrer seulement dans une démarche descriptive. C'est normal pour entrer dans une démarche seulement pour expliquer ce qu'est la réalité. Mais le penseur, il pas expliqué ce qu'est la réalité seulement. Le penseur, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il essaie de comprendre la réalité, mais il pose le tout par rapport avec des axiomes. Il évalue la réalité. Il dit, est-ce que la réalité, ça qui est une construction sociale, est-ce que c'est la réalité, ça qui est bon pour nous? Est-ce qu'il n'y a pas lieu à une autre réalité? Maintenant, puisque le considère la réalité, ça comme construction sociale, ok, puisque le considère la réalité, ça comme construction sociale, puisque c'est un construit, il pas prend l'esprit pour, il pas mettre l'esprit à genoux devant la réalité. Au contraire, lui élever l'esprit lui au-dessus de la réalité en posant la réalité comme construction sociale et à partir de là lui entrer dans un rapport d'opposition avec la réalité, c'est-à-dire ce rapport d'opposition, lui partir d'un ensemble de postulats, lui partir ensemble de axiomes pour évaluer la réalité, pour lui bien fonder réalité par rapport aux conditions d'existence, lui et conditions d'existence contemporaine, et à partir de là, qui ça le dit, lui dit, bon, écoutez, je m'inscris dans une perspective de négation. Qui ça le fait? Lui inscrit tête dans la négation, c'est-à-dire lui négate. L'inégalité de sa réalité, c'est-à-dire il choisit pour anéantir la réalité. Et pour anéantir la réalité, il faut que la vienne avec une réalité alternative. Il faut qu'elle lui-même entraîne une dynamique de construction de sa propre réalité. Et à partir de là, il pourra montrer, bien entendu, les forces et les faiblesses de la réalité, de réalité présente. Là. Et là, il montre force et faiblesse, réalité présente. Là, il va accoucher une nouvelle réalité au niveau de la pensée. Il va concevoir une nouvelle réalité comme modèle. Comme modèle, comme alternative, et il pourrait proposer cette nouvelle réalité à la société. Maintenant, il faut comprendre que cette nouvelle réalité, l'hypoco-réalité, parce que au niveau de la pensée, c'est ça fait où elle est le penser. Parce qu'en réalité, pour que la pensée devienne réalité, il faut que la société accepte cette réalité
et entrer dans une dynamique d'application de la pensée. C'est-à-dire que li pas proposer en réalité, li proposer une alternative de la pensée. C'est-à-dire li proposer une autre pensée, une autre vision des choses, une autre conception des choses. Et si la société acceptait li, maintenant le fait que la société pourrait le mettre en application, c'est dans l'application que la pensée commence à prendre chair, li commence à matérialiser, li commence à vin tourner réalité. Li commence à vin tourner réalité. Mais le penseur, il propose une pensée. Mais l'intellectuel lui-même, il réfléchit sur la pensée. Okay? L'intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit, mais l'attitude de l'intellectuel, en quelque sorte, l'intellectuel, il a une attitude côté que l'accepter réalité à comme évidence, comme vrai. Comme si ça la vivre, il prend comme évidence. Mais il n'a pas de capacité pour concevoir lui comme une construction qui impose à lui-même. Parce que, en réalité, il n'a pas apprendre ni ça. Il n'a pas apprendre ni entrer en opposition avec ça lui aurait les réalités. Et c'est, ça m'a dit à la lui fondamental, lui. Et il va là pour un pile monde. Il va là si nous voulons mettre ce pays, ça dehors dans situation ni là. Nous pas besoin des intellectuels. Nous gagnons des intellectuels. Nous besoin des penseurs. Nous besoin des penseurs. Et c'est un problème qui gagne, c'est que nous chargeons intellectuels, mais nous avons pas des penseurs. Parce que pour qu'on penseur, ok? Pour qu'on penseur, en réalité, faut penser ça d'abord. Les conscients de l'anglais, oui. Parce que premier bagage conscient, pour qu'on penseur, premier bagage pour qu'on penseur en Haïti, faut le conscient que outils li pral besoin pour le produire réflexion pensée là. Li pa ka faire là avec pensée là non. Ah ouais, où est problème non? Aïe aïe aïe. Ça prof l'a dit là. T'aimerais dire ça me dit encore. Moi n'aime pas parler pour tout le monde. M'va parler pour moun sort. T'as une porte bourrée là non? M'connais non? T'as une porte bourrée là non? Ou connait qui l'a commencer qu'on gagne penseur en Haïti? Je vais vous donner m'va ba nous un gros exemple pour nous considérer. Il y a une différence entre un penseur et un intellectuel. L'intellectuel, son esprit est prisonnier d'une langue, d'une culture. Le penseur, esprit pas libéré de langue. L'esprit se sert de la langue. Ouais, la différence? Ouais, est-ce que nous voyons la différence? Ça me dit encore. L'intellectuel, l'esprit, lui, prisonnier de langue, de symbole, c'est ça que fait après intellectuel, nous, en Haïti. Mes chers amis, nos intellectuels en Haïti, ou après, yo, toujours à parler à travers une langue qui pas pour eux. Par exemple, le français. Toute réflexion, yo, c'est à travers une langue, yo, utilisé. Langue, yo, utilisé, son langue qui pas pour eux. Des fois, l'esprit, yo, est un prisonnier de yon langue, de yon l'autre réalité. L'esprit yon getan prisonnier de yon, nan yon schéma culturel qui autre que réalité par yon. Et ceci étant dit, mes chers amis, li est capable, pour le capable sorti, nan schéma culturel ça, nan schéma symbolique ça, pour qui raison? C'est parce que c'est la donne que l'esprit baigné, l'esprit prisonnier la donne. Des fois, li pas capable de produire penser la donne. Li capable un intellectuel qui parlait la donne. Li capable dans un espace français, dans champ sémantique, dans champ sémiologique et français, langue française, li capable la donne, mais pas capable de produire penser la donne. Parce que langue l'en pas pour lui, li pas capable. Li pas capable de produire penser la donne. L'esprit, parce que l'esprit prisonnier d'une langue étrangère, d'une langue autre que lui-même. Maintenant, qui s'est passé? Ou après, moun sa, pour comprendre vraiment yon penseur, son moun tout d'abord, qui campe en opposition avec langue étrangère là. C'est-à-dire, il connaît bien que langue française, pas langue parlée, il connaît bien que langue française, pas reflète réalité, des fois, il campe en opposition. Opposition dans le sens que, posture d'opposition, ça, c'est que il dit, écoutez, pour me réfléchir, pour me penser, moi, pas pour le servir de outils, ça. Ok, parce que outils ça,
li pas équipé pour l'esprit. OK, j'outil ça pas équipé pour l'esprit. Maintenant, premier bagage m'a fait m'a sorti dans champ. OK, premier bagage m'a fait m'a sorti dans champ. OK, m'a sorti dans champ sémantique là, m'a sorti dans champ sémiologique là, m'a sorti dans champ symbolique ça. Ça c'est un gros travail pour prendre sur la hauteur et puis qu'on y a plus que pas gain vide, m'a pral épouser langue pam nan. OK, langue que l'esprit baigné là-dedans qui a vu net qui fait l'esprit qui a couché l'esprit nan, langue qui a couché l'esprit nan qui c'est créole là, qu'on y a l'ambral utiliser langue ça. OK, m'bral utiliser langue ça très très important. OK, pour me commencer à réfléchir. C'est-à-dire, tout autant pas qu'à conceptualiser avec langue créole là ou pourquoi on pensait. Tout autant ou c'est réfléchir, c'est avec langue française à utiliser ou pas qu'à réfléchir ou pas qu'à penser dans langue française. Ça va exister. Langue n'est pas pour ou pas capable. C'est chaque fois ou vient tout nous aliéner ou va battre pour identifier tête ou à un bagage qui pas pour vous. Outils ça ou pas capable ou pas capable produire là-dedans. Ou pas qu'à produire la donne, parce que, en réalité, l'on parle de l'esprit de l'époque. L'on parle de l'esprit, il fait référence, bien entendu, à premiers outils indispensables pour, là, on a parlé de logique. Voilà, nous, par exemple, on a parlé de logique, on a parlé de langue. Pas que logique sans langue, non? L'on dit logique, c'est en dans une langue, oui, ou jeune logique. Là, on a parlé, ok, là, on a parlé de science. Pas que science en dehors de langue, non? Yo, la science est un discours, oui. La science est un discours qui portait sur un objet. OK, la science c'est un discours, c'est un narratif qui portait sur un objet. Pour construire discours ça, ou besoin concept. Pour construire discours ça, ou besoin et logique. Pour construire discours ça, ou besoin langue. OK, maintenant pour quelle raison objet ça ou besoin maîtriser à partir d'un discours. Pour quelle raison c'est discours l'autre société à travers langue. À travers logique ou à travers lien que vous pouvez l'utiliser. Pour comprendre, pour comprendre objet Haïti. Vous pas capable. Parce que, t'expliquez-nous bien. L'autre dit réalité haïtienne. L'autre dit réalité haïtienne. La réalité haïtienne. C'est créole qui construit, lui. 90% de comportement, t'y n'est que on est dans la société haïtienne, non. C'est pas créole, lui. C'est avec créole, lui, il construit. Réalité, on va parler à fondement, c'est créole, lui. Réalité culturelle, on va parler là. On va parler, ou dit, oh, les nègres, la campé, ils disent ça. Oh oui, moi, réfléchis sur réalité haïtienne. Mais là, tu vas réfléchir sur réalité haïtienne. Réalité, ça, son construction sociale, lui. Société, ça, c'est 100% monde qui parle créole là-dedans, lui. Comportement, nous. Quoi, comportement, t'y nègres, ma tête, grenin, lui, guidé par des croyances qui fondent dans une série de paroles qui n'ont créole là, oui. Les nègres la campagne tout comme ça. Bon, m'bral marché prend ISO. Connaît, peuple a dit, ok, on garde la réalité. Réalité a dit, m'bral marché prend ISO. Mais qu'on y a où même? Si nègres la dit, il pral marché prend ISO. C'est une construction. C'est parce que fait partie d'une société qui a une identité. Et puis l'utilise langue créole là, il dit m'bral marché prend ISO. Mais non, là, il dit m'bral marché prend ISO. Pour produire une réflexion. Sous ça est dit, c'est dans le cadre sémiologique, dans le cadre sémantique, dans le cadre axiologique, société, ah oui, pour faire. Ou pas qu'à faire avec cadre référentiel la France, non? Ou pas qu'à faire avec cadre référentiel français? Ou pas qu'à faire avec cadre, ou pas capable, non? Les nègres à Campelli du Gosa, oh oui, oh, les nègres à Campelli du Gosa, oh oui, nous parlons boulet, par exemple, nègres à Campelli du Gosa, oh oui, Bouakali. Nous pas le marché pour un nègre, nous pas le couper tête, nous pas le ceci, nous pas le cela. Bakale, ceci, cela. Mais, Bakale, c'est un concept pour décrire une réalité typiquement haïtienne. C'est un concept pour décrire une réalité typiquement créole, typiquement haïtienne. Maintenant, si on fait une analyse, ou bien on produit une pensée, au-delà de réalité, ça. Maintenant, faut poser réalité, ça, comme construction, oui. Ceci étant dit, Bouakaléa, c'est une construction sociale, son construction sociale, li, oui. Parce que, ou pas qu'à détacher Bouakaléa avec modèle société, nous gagnons, non? Mais écoute, si nous comprenons ça, m'a dit, là. Ou pas qu'à détacher réalité
question bois calé avec société a bois calé a son phénomène social qui correspond avec modèle société que nous dé au modèle société nous gagnons là li gagnons base culturelle lui modèle société nous gagnons li chita son base culturelle et base culturelle li élément fondamental dans base culturelle ça c'est créole lui qui guide comportement nous tout ça yo tout comportement nous gagnons toute croyance comportement acte je nous agis. C'est à travers langue créole là où yo véhiculer valeurs ça. C'est à travers langue créole là où yo véhiculer et croyance ça. C'est à travers langue créole là. C'est-à-dire que ou pas qu'a dit ou a réfléchi ou a pensé une nouvelle société sont pas utiliser créole là comme outil non. Et c'est ça que nous handicapé. Son dal moun nous gain qui relait tête intellectuel. Il y a produit réflexion mais pour la France il y a produit. Parce que yo esclave cadre français la France là. Comment voulons-nous être dit l'intellectuel? Et puis, la produit, yon livre. Lui dit la produit yon livre, la produit yon réflexion sur Haïti. Et puis, réflexion le produit, hein. Tout cadre référentiel, tout concept qui est utilisé, tout modèle de paramètres, c'est modèle société française là. Ou a produit yon société, ou a produit yon réflexion sur société haïtienne, non? Ou a considéré, premier bagage, ou a considéré les outils. Qui approprié pour société haïtienne non ou pas qu'a dit moi produit une réflexion sur société haïtienne non et puis cadre référentiel ou c'est la France qui est-ce qui vient un produit pour concept c'est la France qu'on y a ou vin tout nous l'espoir vin esclave ou vin nous aliéné de la pensée sociale française ou vin nous aliéné de la pensée sociale française parce que en réalité la France qui est en pensée pour vous, ou Jos Vini la Vinci t'a vomi dans Figi Moun et puis proposer les têtes intellectuelles. Et à faire négo, d'ailleurs, c'est à faire négo qui a un problème avec là. Eh, négo qui a un problème. Moi-même, grand pile négo qui. Ma fois intervention sur Radio Caraïbe. Et d'ailleurs, m'attendais une intervention au passé. Qui c'était et professeur Victor Benoît qui t'a parlé sous bois calé. Maintenant, m'baka on pense OK pour me quitter Victor Benoît, professeur Victor Benoît, vienne prendre bois calé pour la décrire bois calé comme contestation populaire. Faut pas passer sous dans l'école même pour me ta prendre bêtise ou dans menex ou pas ka qualifier bois calé comme contestation populaire. Qui j'en de bêtises ça? On comptait. Boakale a contesté. Pour parler de contestation populaire, c'est par rapport avec un régime ou bien par rapport avec une autorité établie, oui. Boakale a, c'est pas par rapport avec autorité établie, non, le fait. Boakale a, pour qualifier de contestation populaire, c'est par rapport avec gouvernement, hein? Par rapport avec politique Ariel, là, par rapport avec l'État, c'est par rapport avec ça pour dire, ok, bon, écoutez, l'orientation de Boakale a, c'est contre gang là aller, c'est contre gang bandit, li pa aller contre l'État. Li pa aller contre bon, au contraire. Boakalea entre nos démarches d'accompagnement de la police. Boakalea a supporté la police comme on voulait pour aller contestation populaire. Elle a dit même là oui négler les têtes aux professeurs. Et puis, yo le professeur Victor Benoît, n'est-ce pas prêt, même vrai. Mais comment vous voulez, yon population, accompagnée par la police, après tirer bandit, où est sa contestation populaire? Qui modèle réflexion ça? Qui modèle intellectuel ça? Quand nous barrer avec, et puis, yo dit au professeur Victor Benoît, t'es dit comme ça. Où est l'on va vle chita sous dans l'école? Là, fait nous quitter vieux. C'est que ce n'est que ça, ou pas vle quitter 80% peuple haïtien contre lui. Ou pour qui raison intellectuel en Haïti pas vle peuple à l'école dit qu'on lit pour qu'a fouyer caca dans tête nous qu'on y a si m'bat là pour m'porter rectification conceptuelle ça là si m'bat là pour m'te mettre frein à caca le dia si m'bat là pour m'te dire écoutez non en aucun cas pas qualifier bois calé de contestation populaire parce que pour contestation populaire c'est qu'on pas c'est que contestation populaire il doit en désaccord. C'est contre le gouvernement, il doit aller. Contre un pouvoir établi. C'est contre un pouvoir établi pour parler de contestation populaire. C'est contre un régime établi pour parler de contestation populaire. Ou pas qu'à, nous, peuple, à pas accompagner, et policiers,
OK, pour combattre gang, c'est job la police, oui, c'est job gouvernement, oui. Que peuple a fait? Qu'on aurait les contestations populaires. C'est quoi cette bêtise? Qui j'en ai intellectuel, Zayo? Qui modèle intellectuel, Bouddha crap nous gagne dans le pays, hein? Finalement, c'est ça que le pays a effondré comme ça. N'est-ce pas pensé, nous avons pas des penseurs. Nous avons des vies intellectuelles ratées. Qu'on y a l'aime pas être, moi, dit non, écoutez, ou pas qu'à qualifier Boakalia comme contestation populaire. Du tout pas, ou pas qu'à qualifier comme contestation populaire. Au contraire, c'est ça, il y a une justice populaire ou bien une vindique populaire. C'est que le peuple a senti que pouvoir abandonné lui, pouvoir impuissant, gouvernement impuissant pour le combat de gang, non? Maintenant, le peuple a décidé lui-même pour faire tête de justice, pour le bail tête de justice, lui substituer lui avec carence, déficience qui gagne dans le système judiciaire là. Maintenant, lui prend justice lui, mais pour le bail tête lui, justice. Mais on va qualifier de contestation populaire. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette bêtise? On l'a dit, n'est-ce pas flou dans le concept? C'est-à-dire, je n'ai pas abordé le concept, yo flou. Parce que yo pas apprendre à réfléchir vrai. Yo pas apprendre à réfléchir vrai. Problème qui gagne, yo pas apprendre à penser. Yo apprendre à reproduire. Yo apprendre à cracher. Yo apprendre à mimétisme a fait. Yo juste un don intellectuel français, dit yon parole, et puis yon prenne yon vin mettre dans la réalité haïtienne. Yo juste un don on intellectuel, dit yon cause, yon prenne yon mettre dans la réalité haïtienne. Gayonne qui paraît ton lèl dit comme ça, oh oui, et nous gagne démocratie en Haïti. N'a travail pour démocratie. Moi dis mais finalement nous sommes nation moun fou, nèg la fête à l'en Europe. OK? Nèg la fête à l'en Europe. Là l'étudier sociologie politique, l'étudier, il décroche un vieux master en sciences politiques. OK? Maintenant il retourne en Haïti. Depuis le pas attendez dans le pays, il commence à parler des droits, il commence à parler de séparation des trois pouvoirs, Montesquieu, mais il y a un gros problème sérieux de poser. Il y a un gros problème sérieux de poser. Soleil l'antigen chaud, bon moi en dedans. Go get me your towel. Okay. All right. Here we go. Maintenant. Maintenant, nèg la sorti en France, il sorti au Canada. Et oui, il sorti en France, il sorti au Canada. Et puis, il entre en Haïti à un bout de master. Ou bien, un PhD, non, même. Maintenant, il y en écrivait dans le pays, hein. Il y en écrivait dans le pays, il commence à parler de Montesquieu. Comme disait Montesquieu, comme disait Hobbes, comme disait Locke, contractualiste, si, répéter caca. Mais maintenant, ma l'arrivée là, 80% peuple là-bas qu'on lit. OK? L'arrivée là, 80% peuple là-bas qu'on lit. Qu'on y a là, et moi-même, je trouve ça vraiment bizarre. Comment nèg la fait venir? Et puis, première parole qui vient dans la tête, lui, oh, séparation, Montesquieu disait, la séparation des droits pouvoir. Oh, comme disait Locke. John, Kelsen, l'Autrichien Kelsen, oh oui, hiérarchie des hommes. Mais ce sont des hommes, mais ce sont des penseurs qui t'ont réfléchi sur une réalité haute, réalité sociale haute que réalité par nous. Comment vous voulez, Bougueta? Hobbes! Locke! Contractuel! Mais, professeur, ça vous l'a dit, voilà. Pour qui raison pas d'accord? Comme si n'est pas rendu compte que c'est le modèle politique, économique et social européen que le Vimber a couché en dedans société. Si on ne pas rendu compte, il n'est pas rendu compte s'il c'est un agent CIA au niveau de la pensée. Il n'est pas jamais rendu compte que ils sont agents CIA, ils sont antennes pour l'Europe au niveau de l'esprit. Et ça nous te comprendre. Léon Bobbous pour aller étudier sciences sociales. Léon Bobbous pour aller étudier sciences politiques, sciences sociales et sciences économiques dans pays occidentaux. Pour quelle raison d'abord vous-même? Ça vous parle pas où?
À qui ça va servir? M'gounse pour yon ka transformer l'esprit ou nan yon en agent pour servir intérêt l'Occident. C'est même objectif, là, ça, c'est l'objectif. Tout ça va l'étudier en Europe, tout ça va l'étudier en France, tout ça va l'étudier au Canada. Si c'est pas science dure liée, depuis c'est dans science molle. Depuis c'est dans science molle, c'est modèle occidental, oui, va l'étudier. Pour venir cracher dans les pays d'Haïti, oui. Maintenant, si vous avez compris, qui est-ce qui est expliqué d'abord vous-même la résistance chinoise? Qui ça t'explique résistance chinoise? Ou pas l'Occident obligé à accepter le modèle chinois? Le modèle politique chinois, pas l'Occident obligé à accepter le. Yo te fait nous comprendre que l'Occident te fait nous comprendre que, ok, communiste, ok, régime autoritaire, régime communiste, pas marché avec développement économique. Mais la Chine gagne là, oui. La Chine gagne un modèle mix, oui. Le modèle chinois. Ah bah la Chine gagne un régime communiste. Ok, un régime politique communiste. Ok, un parti unique. Ok, qui se sissipi. Ok. Et puis, il y a un modèle économique capitaliste. Pendant ce temps, nous fait tout le temps nous l'école. Yo voulait faire nous comprendre que c'est démocratie représentative libérale qui a accouché développement économique. Depuis dans l'école, premier bagage, yo apprenne nous. C'est démocratie d'abord et puis développement économique ensuite. Bon, démocratie libérale. Et pour je nous d'un chimpanzé qui vient en Haïti depuis 1986, yo chita yap kaka dans tête étudiant yo en Haïti, yo saute en France, yo saute au Canada, yo saute aux États-Unis, yo rentre dans le pays, a vire retourné. Oui, démocratie libérale, y'a chanté, y'a dans université l'État, démocratie libérale, y'a dans université privée, démocratie libérale, y'a vendu nous, démocratie libérale. Oh, pas qu'à gagner développement économique, sans démocratie libérale, sans ceci, c'est là, sans ceci. Depuis 1986, y'a vendu nous, kakaza. Jusqu'à maintenant, on va parler à voilà là. Même démocratie, y'a nous, pas qu'à gagner, non? Y'a pas comme comment vous y'a implanté, là. Même démocratie, oui, nous pas comme comment vous nous implanter. C'est la problème, non, pendant ce temps, Chinois, y'a campé. Vous connaissez? Y'a campé. Y'a conservé le modèle politique. Ok? Communiste. Y'a conservé le modèle politique communiste. Et puis, qui ça a fait? Y'a québé démocratie populaire. Il y a une démocratie libérale là, non, il y a une démocratie populaire là, ok? Avec un parti unique, CCP, et puis, il y a accouché un développement économique. Qu'on a posé cette question. Comment y a une démocratie populaire à la chinoise? Il y a une démocratie populaire, ok? Ok? Il y a une démocratie populaire côté un parti unique, qui est le CCP. Expliquez-moi qu'on y a là, comment lui fait accoucher développement économique? Mais nous t'a étudié, tout n'est qu'à l'étudier, démocratie libérale, et puis développement économique, démocratie libérale, développement économique. Gayon même nan qui vini, gayon qui pour un doctorat. Yo va prendre même. Et qu'on y a commencé à comprendre que nèg yo pap carré même bruit sur les réseaux sociaux. Nèg yo pas à l'aise avec. Parce que je ne vais pas avoir de chance. Mais là, la vie chanter. Oui, pour nous arriver à développement économique, faut nous mettre en place un système politique stable qui chita sur des principes démocratiques. Je dis oui, pour pays d'Haïti développer économiquement, il faut à des conditions préalables. Ni qui conditions préalables? Oui, faut nous un système politique stable qui soit à fond sous des principes démocratiques. Livin caca, livin vomi malpropreté. Yo fouille dans tête li en Europe et puis livin commence caca vomi au moins, yo fouille des trois caca dans tête li en France.
et puis yo la gon vieux papier nan men ki rele master ou bien un doctorat nan men et puis il vin vomi caca nan figi moun di pense le ka passer sou moi. Quand on a commencé à parler, oui, oui, il nous faut des institutions fortes, il nous faut des institutions fortes, il nous faut des bases démocratiques, oui, faut nous gagner un système politique stable, qu'il faut dessous des principes démocratiques de droits de l'homme, séparation des trois pouvoirs, c'est seule façon pour nous accoucher du développement économique en dedans pays, on dit vraiment. On dit vraiment, il vient vomir vieux livre Joel Bocquet ou fouiller dans tête là. On dit vraiment. M'dit, monsieur, bon. M'dit, monsieur, bon. Étonne-moi. M'dit, monsieur, bon. Et, dis-moi, non. Et la Chine, pas d'institution solide. La Chine, pas d'institution solide. La, m'dit, la Chine, tellement d'institution solide. Non, modèle de démocratie populaire, avec un parti unique. La Chine a accouché en développement économique. On dit la Chine va développer économiquement. Oh oui, la Chine développe économiquement. On dit, ah bon, ok. All right. Ok, la Chine développe économiquement. On dit, comment faire développer? Ce sont exceptions. Non, règle, démocratie libérale. Là, what the fuck happened? On dit, maman, explication, comme vous-même, ou gon doctorat, ou d'aller étudier en France, en Europe. Bon, explication, comment miracle chinois a fait fête avec un modèle politique communiste? Explique-moi, parce qu'on vient voyer monter la caca dans figi moun, radoter à diolou, rincer dans figi moun. Bon, expliquez-moi. Expliquez-moi. Me dites-moi un petit bagage. Ça pense du modèle culturel français et chinois. Oh, ça me plaît, dis pas là. Me dis ce qui soit pensé du modèle culturel chinois. Oh, intellectuel, oui. Y'en a qui gagne doctorat, non, men, qui va comprendre ça au modèle culturel chinois, eh? Il dit, ça me le dit pas là. Il dit, au modèle culturel. C'est manière, yo, même, yo choisi pour yo vivre, manière de penser, manière d'exister, manière d'être, qui propre à chinois. C'est ça le modèle culturel. Le modèle culturel, c'est ça, son modèle qui chita sur une identité culturelle propre avec une société. La société chinoise, yo gen modèle culturel yo, yo gen histoire yo, yo gen culture yo, yo gen langue yo, yo gen manière de penser yo, yo gen manière d'être yo, yo gen manière d'exister yo. C'est ça qui fait yo pas calquer modèle culturel occidental. Là yo pas calquer, même je nous tourner chien quand ou macaque qui a peur de reproduire modèle culturel chinois. Qu'a produit modèle culturel et occident. Depuis nous pas manger occident, nous pas bien. Depuis nous pas jouer musique l'occident, nous pas bien. Depuis nous pas parler français, nous pas moun. Depuis nous pas étudier. C'est gros problème. Qu'on a la monsieur rend ni compte. La monsieur rend ni compte. M'a exposé bobot li. Nous dit monsieur ou pas intellectuel ou pas un penseur. Ou sont aliénés. Je dis ça, je dis, ou sont aliénés. Ou sont nègres, ou mettez chita en Europe, et puis, ou bourrez tête ou à caca, et vous descendez en Haïti, ou vine vomi caca, ou bourrez dans tête ou yo. Et là, seulement, yo, ou juste son nègre, ou juste son outil. Ou son outil, qui, ou pas même qu'à réfléchir, vous t'a réfléchi. Vous t'a appris yo de propres outils pour vous réfléchir, propres outils conceptuels ou baguen. Ou pas qu'à, tout soit utilisé, tout cadre référentiel. Un gonne qui décampe, il dit, vous a, il dit, au qui ça de cadre référentiel là? Au prof qui ça de cadre référentiel là? Au intellectuel? Au cadre référentiel? M'dit, l'offre fait richesse, sauf. M'dit, l'offre écrit, ok, on dit, l'offre écrit en thèse ou bien en livre, sauf. M'dit, sauf. M'dit, y'a pas nos méthodologies de la recherche? Ok. Mais on veut lire la recherche là. Vous pensez lire neutre? On dit, mais c'est loin neutre, non? On dit, dans qui dada base? Dans qui dada base, vous pouvez le fouiller? Comme cadre référentiel. L'homme a l'écrit. L'homme a une bibliographie. C'est un cadre référentiel, lui. On dit, par contre, mon bibliographie, l'homme a écrit bibliographie derrière un livre. Derrière un livre, vous finissez écrit. C'est cadre référentiel, lui. Vous pas comme ça? Li dit, c'est bibliographie à qui dit dans qui schéma culturel ou inscrit tête, oui.
Mais là, dis-moi qui samedi là. Je dis pas besoin de craser tout comme avant. Juste écrire un livre et puis mal garder bibliographie. Depuis que je finis de garder bibliographie, je me suis aliéné sous son zombie, sous son esclave. Pas de problème. Je me suis gardé. Mal garder bibliographie. Mal garder qui compte opuiser. C'est la même chose qui compte opuiser. Qui cadre référentiel ou? À qui sont identifiés l'esprit ou? T'es un juste besoin. Les mal garder dans le cadre référentiel, n'est-ce pas? Al gade mémoire nèg yo nèg ki soutenir mémoire nèg ki soutenir thèse ki rele tête yo docteur en Haïti al gade thèse doctorat yo cadre référentiel al gade cadre référentiel thèse doctorat nèg yo bibliographie al gade bibliographie yo gade bibliographie nèg yo toutes ces ti blanc toutes ces penseurs blancs occident. Toutes ces penseurs américains, canadiens, anglais, américains et européens, c'est la domination épistémique et épistémologique de l'Occident sur l'esprit du nègre, caldeur crasse, caldeur qui pas qu'à réfléchir. À qui ça servit bibliographie? Bibliographie, dans démarche méthodologique, y aurait les références, sous bibliographie. L'on parle de bibliographie. Yo parle de référence sous-sou. Qui compte opuiser. Maintenant, il y a deux bagages là-dedans. Li permettent, Occident, tester domination culturelle, li, épistémique, épistémologique, sous l'esprit mondial. T'as d'aime bien. Yo just a fait méthodologie, yo pas même comprendre pour que raison y a fait méthodologie. Méthodologie la rejet. Bah référence. Maintenant, là, bah référence, là. Blanc, bah imbécile, non? Li besoin retracer pensée ou? Réflexion à produit, hein? Parce que pour lui-même, yo réfléchi pour déjà. Parce que c'est dans référence, non? Yo pas le garder si yo gagne concurrence. Par rapport à la suprématie de épistémique. Est-ce qu'il y a l'autre monde? Est-ce qu'on lit dans l'autre livre? Sous lit dans l'autre livre, qui livre l'une ça y est? Son façon pour yo faire tourner si y a y est, oui. Le professeur dit là, mal expliqué nous a dit là, mané carré. Mané carré. L'on écrit un livre, ou faire recherche, ou écrit un livre. Y a des livres où lit. Ou pas de citer, non? Comme référence, non? T'aimerais dire ça, me dit encore. C'est pas tout livre où lit, pour citer comme référence, non? Ben, sous citer comme référence. Ou bah, sous. C'est invite ou invité. Moun, ou invite l'Occident, pour l'aller chercher lui ça, pour l'identifier penseur, oui, auteur, oui. Maintenant, l'offre fait ça, ou qu'on s'est passé, y'a pas récupérer auteur, oui. Parce que y'aurait pas, mais go, l'Occident, qui ça l'Occident plus paix? C'est idée, oui, au paix. Ils ont peur des idées nouvelles, des idées autres que idées par eux. C'est l'idée qui a mené le monde, oui. Imaginons un instant, où lit un livre qui parle d'Occident. Maintenant, où prend le livre là, où met-elle dans la bibliographie ou? Ok? Bon bloquant, les gars. Ah, une fée caca dans figure, vous. A parler des moun kap gade. Ah, rancé dans figiboun. Ah, oui. T'aimerais dire encore, t'aimes parler boun. Pour moun kap gade. En pile étudiant à l'école, yo apprenne yo méthodologie de la recherche. Yo apprenne comme fierté. Maintenant, yo pas jamais comprendre si c'est
on travaille si a yo ba ou fait. Yo ba ou, yo metto nan position pour révéler sousou. Yo metto nan position, y'a fouye ou, pour yo wè si bon bagay ou konnen, ke yo pa konnen. Yo ba imbécile. Y'a, c'est ça ou elle est, y'a contrôlé épistémique mode lan. Y'a contrôlé connaissance qui nan monde lan. Et ça fait, oui, y'a contrôlé épistémique monde lan. De quoi pour yon ka toujours kembe hégémonique, épistémique et épistémologique yo? Maintenant, ou même qui est étranger, ou vine étudier en Europe, au Canada, États-Unis. L'arrivée dans le doctorat, ou bien ou a fait thèse. Yon bon thématique, ou bon thèse, va pas le soutenir. Maintenant, ou va faire recherche. Yon bon database, pour faire recherche. Yo bon ou database pour faire recherche. Qu'on y a ou pas le fouiller la donne. Maintenant, comment c'est fouiller la donne? Faut pas référence li vous li. Quand on prend note yo. Ok? Pour construire thèse là. Maintenant. Tendez, oui. Maintenant. Si pas mal est. Ou à lion livre qui parle dans database. L'Occident. Pendant qu'on lit le livre qui parle de database, l'Occident, qu'on a ou mette comme référence. Si on peut ouvrir pour ne pas découvrir Otesari, maintenant, on ne peut pas découvrir Otesari. On ne peut pas découvrir. Je vais vous donner un exemple. Et comme tu es dans la première année master, et puis, pendant la première année master, et puis, on me fait un devoir. Qu'on y a un projet de 30 pages. Et puis, dans le projet, qu'on y a parlé de Dessalines, m'a parlé de idéologie dessalinienne, m'a parlé de magasin. Et puis, m'a pas mérité référence. C'est là, ça m'a vu me comprendre, pas mettre référence. Et puis, il aime soumettre devoir. Ma professeur prend un devoir, le garde. Après ça, monsieur dit, moi, ça, que, il souligne aussi les débats qu'il m'a dit. Et puis, il dit, moi, pas bah, référence pour vous. Ok? Monsieur dit, qui référence vous avez de ça? Tendez, oui? Oh, bah, référence ou? De ça. Ben, référence. Qui référence? Et puis, me dit, monsieur. Mais, laisse pas qu'on comprenne, game, non? Et puis, me dit, monsieur, m'a pas référence, non? Pour yo. Il dit, sous pas bonne référence, m'a pas bonne note pour lui. Mais, j'aimerais, monsieur, insister pour m'a référence, non? M'vin commencer à comprendre. Gué les gonds bagailles qui cachaient dans référence, non? La question référence, non? Quand j'ai celle-là, je commence à faire recherche. Ma li, m'bin ouais importance, référence, source, bibliographie. En d'autres termes, m'bin ouais que dans référence, n'importe bagaille qui écrit dans le monde, non? Référence dans les problématiques. Pour qui raison? C'est parce que à référence, non? Ou tout vend, ou vin tout néon informant. Parce que gain des connaissances qui supposent être à ou même seulement. Gain des savoirs qui supposent être à ou même seulement. Gain des livres. C'est don du ciel yoyé. Ou supposé qu'un belisa ou pour seulement ou pas de bay moun référence yo. Ou pas de bay soucio. C'est là ça me commence à venir comprendre. Pour qui raison nèg yo remé. Les ti monsieur fin faire reto, ti monsieur fin faire filo yo bay au bous, yo tombe États-Unis ou bien Canada, les nèg yo pas soutenir ti thèse yo. Yo voye nèg yo al fè thèse en Haïti. Al derrière
al fait thèse dans l'histoire pays yo. T'aimerais dire samedi là. Si n'a regardé pays qui sont développés yo, les nèg yo a étudié en Europe, en Occident, les arrivé nan on professeur me dégue qui te fait moi bagay. L'aime pas le passé, l'aime pas le prothèse, l'aime pas le fermer moi. L'aime pas le fermer moi sous deuxième année master moi. Qu'on a décidé pour me faire sous théoriste. Ou connaissez ça madame Nadim? Me décide pour me fermer moi sous théoriste. Ou connaissez ça madame Nadim? Madame Nadim carrément. Est-ce qu'il y a des théoristes en Haïti? Ou dans des caca? Professeur. Monsieur! M'dit, ma comprenne, j'en dis. Il dit, non. N'est-ce pas vrai, vous êtes haïtien? M'dit, oui. Il dit, pour quelle raison pas réfléchir sur un problème que Haïti a confronté? Ben, ça, yo. M'dit, c'est sous théoriste. Il dit, non. Il dit, il tape mieux, ou c'est haïtien, bagay, et a réfléchi sur un problème Haïti, bagay, ça. C'est après! Mais vu comprendre! Pour me descendre en Haïti! Pour mal fouiller! Dans littérature, dans bagay haïtien! Et puis pour mettre comme référence! Pour me porter au balio! Puis elle prend, puis pour prendre mes moi non, pour prendre mes moi non, pour mettre tel dans bibliothèque yo, pour y avoir accès à connaissance. Ça veut dire, yo voyem en Haïti, à recueillir des données, à enquêter, à investiguer, à prendre information de dans pays pour te bailler. T'as après vu comment nous gémirons? L'office fait travail ça. Ou portez bonne information, bah, yo. Ou portez tout, bah, yo. Et puis, yo, dougo, ça, bon. Ok, nous, on bien travaille. Ou, bah, yo, bon, bout de papier, yo, les master. Même bagay pour doctorat. Yo, la go, al fait tripotaille. Al fouye, nan dossier, ou. Portez, bah, yo. Al fouye, nan pays, ou. Portez, bah, yo. Et puis, yo, la go, vieux bout de papier, nan mon. Tande, yo. Yo la gon pe, on pout papier nan men ou, et puis yo dou ou se docte. Maintenant réfléchis. Maintenant, le yo gen tout donne sa yo, sou Haïti. Yo gen tout donne sa yo, sou nou men. Ou pense yo pe nou? Ou pense? Ça veut dire, wav von pe ou pa konnen yo? Ou tout informant? Pour l'Occident, si on pas même nous compte, non, inconsciemment. Ou a fourni yo, information sous pays ou. Si on pas même nous, gardez, pendant y'a pli ya, y'a gardé mémoire là, y'a gardé travail, thèse ou a. Pendant y'a gardé thèse là, y'a gardé pour yo wek. Qui évolution de fait? Qui changement qui fait? Est-ce que nous toujours étions dans même niveau yo? Est-ce que c'est toujours même intellectuel yo de gagner? Est-ce que qui progrès nous fait au niveau intellectuel, ok, au niveau de l'intelligence haïtienne? Y'a regardé, est-ce que cadre référentiel nous ont toujours été pauvres? Est-ce que nous pas jamais? C'est quoi encore, oui? Nous tellement saisi. Les mines comprennent game non bien. Bien, ok. C'est ça. Ça veut dire, pour un bout de diplôme master, pour un bout de diplôme doctorat, ou liquider toutes les formations en dedans pays ou en cadre référentiel. Est-ce que nous comprenons l'enjeu épistémique? C'est-à-dire que nèg yo utilisé bagay sa yo pour yo capable gen contrôle, gen accès à la pensée haïtienne, pour yo connait qui ça n'a réfléchi, comment nous réfléchi,
Est-ce que nous réfléchis pour nous renverser? Est-ce que nous réfléchis pour nous venir concurrencer? Est-ce que nous réfléchis contre qui modèle de réflexion que nous produit? Ou est-ce qui est à nous? Exactement. Moi, pas dit pas étudier, non? Pas dit nous pas étudier. Moi, dit nous faut nous étudier intelligemment. Intelligemment, faut nous étudier. Nous connaît, pendant notre master, en France, professeur, vous commencez PEM. Mais, nous, nous sommes en rébellion, sans pas qu'on, qui modèle de rébellion n'y est. C'est après, oui, yon professeur pral dim que je suis un rebelle épistémique. Bah, je me comprends. Monsieur dit comme ça. Toujours, comme si, yon vin méfiem. Dans l'école là, yon méfiem. Bah, je m'en vle quitter orienter l'esprit. Même pas qu'on comprenne concept, yon bien. Et puis, son professeur qui dit ça. Ah, écoutez, ce type là, il est dangereux. C'est un rebelle épistémique. On dit, mais, pour qu'on comprenne, ça veut dire rebelle épistémique. Parce que, on peut bien ancré dans l'épistémologie. On peut qu'on comprenne, ça veut dire. Les misères et les rebelles épistémiques. C'est après. On commence à prendre sens, ça, monsieur, veut dire, non. C'est après, on vient commencer à comprendre. Ça, mi se vle dim nan. Comme si ma fait tirer rébellion naturellement, moi vle se sous l'Europe pour me parler. C'est sous l'Europe pour me parler. Comme si naturellement, me besoin parler de, laisse à cette question, et qui ça t'a fait actualité à l'époque, c'était théoriste t'a fait bruit. Moi-même, moi besoin fait, mémoire sous théoriste. Oui, besoin fait mémoire sous théoriste. Qu'on y a eu pas à faire mémoire sous théoriste. Ti blanc, ti français, j'ai vêt, a fait mémoire sous théoriste, moi-même, moi pas capable. M'pas capable comprendre, non? Yo, t'es gué africain tout, yo dit, ti petit monsieur africain, yo, ti monsieur malien, yo, ti monsieur, sénégalais, yo, oui, faut nous réfléchir, faut mémoire nous en chita, son réalité, son problème pays nous, en Afrique à confronter, mais, pour nous quitter, pour yo la orienter l'esprit. Oh, dis-moi même terroriste, ben fais-moi. Oh non, et petit blanc français, j'ai fait a fait mémoire sous terroriste. Mais même moi pas rappel. Oh, monsieur le voisin, je pensais que vous êtes haïtien quand même, hein. Dis alors. Il dit, oui, mais écoutez, quand même, il faut pencher sur la réalité haïtienne. Il faut produire une réflexion sur la réalité haïtienne. Je pense que le pays a besoin des hommes comme vous, des intellectuels. Il faut aller, et puis, trouver un sujet intéressant, et puis faire des recherches sur la réalité haïtienne, et produire une documentation. Ah bon, on est comme ça, bah, là, et là. Ah, on a voulu tout voir mal fouillé dans la caméra pour des bas. Mais moi, je comprends ni dans le niveau ça. Non, je ne peux pas éclairer l'esprit, je ne peux pas éclairer dans le niveau ça. Moi-même, là, je garde des balles, là, m'insister. Moi, je dis non, c'est théoriste, on fait. Moi, insister, me dis théoriste, on fait. Fucking théoriste, on fait. Qu'on y a là, l'aime faire affaire, me faire le sous-théoriste. Accepte-le. Mais problème qui gagne. Je ne peux pas j'aime comprendre pour que les gens m'insister les morts rebelles épistémiques. Mais c'est après. Je viens de comprendre. Pour qui raison? Ou a raison? C'est-à-dire que, intellectuellement, yo mettez nous dans un système pour nous travailler pour l'Occident, fournir l'Occident information, sous pays nous, fournir l'Occident information sous tête, sous réalité pays nous, et puis qu'on y en a, et puis, yo ba nous, yon petit papier qui rele nous docter. Yo ba nous un petit papier qui rele nous et master. Mais ça qu'on y a là gros cause oui. Pendant bay ou fin bay information sur pays ou et puis yo utilise ou pour al prendre connaissance pa yo pour fouiller dans tête nous en dedans pays d'Haïti pour aliéner nous.
Ces atroces tout professeur qui a enseigné en Haïti, dans l'université l'État, dans l'université Bay, tout professeur ça où c'est travail l'Occident a fait. C'est aliéné à pas aliéné nous avec connaissance Occident. Bon, comment voulez nous développer? Mentalement nous beaucoup libre. Si nous beaucoup développer mentalement, comment voulez nous développer économiquement? Nous sommes encore des esclaves au niveau de la pensée. Nous sommes encore des esclaves au niveau de l'esprit. Nous pas un cadre référentiel qui pour pas nous-mêmes. Nous pas nous pas cultiver une certaine conception vision du monde. Bon, comment on voulait mes chers amis pour nous développer économiquement pendant nous beaucoup développer mentalement. Nous a pour qui raison un pays qui a 200 plus passé 200 ans li existait, nous pas même gagner ça relé maîtrise, nous pas même gagner doctorat dans l'université l'état d'Haïti. C'est pas mon programme qui délivre doctorat non. Haïti pas délivre docteur non. Et puis me donner nous gagner intellectuel qui bon. Haïti pas une université qui bail doctorat non. Me donner nous gagner intellectuel qui bon. Ah dans le monde fou, nous gagner dans l'esclave mental. Esclave mental. Nous ko gagner pays. Nous ko gagner pays. Ta fois ouais le m'a parlé pas tout monde qui a problème yo gen problème avec dans certain sens majorité intellectuelle yo gen problème avec parce que je pose problème moi yo pas poser problème comme ça et c'est ça nèg yo gen problème avec je pose problème yo pas poser problème comme ça parce que moi-même moi son esprit libre je pose problème et pas comme ça nèg intellectuel en Haïti ou poser problème. C'est ça fait ou pas j'aime carrément de bon œil. Yo pas prendre même vrai. J'aime poser problème, me poser problème en tant qu'un esprit libre. Parce que premier bagage m'a battre me préserver les m'a poser un problème, c'est liberté ontologiquement, liberté de l'esprit. C'est ça m'a préservé. M'a battre pour me sortir au maximum que possible de cadre référentiel occidental là, c'est ça. Deux jours pour me faire. Eh bien, mes chers amis, pour me terminer, m'a dit nous, pour nous, nous, on a fait face à une situation qui est extrêmement forte, grave, nous avons problème en pile. Alors, c'est, nous devons partager ti de ça avec nous, pour nous comprendre que, les n'a parlé, l'autant des nègres a parlé de doctorat, de master, on a nouveau il a fait thèse, il a fait mémoire, recherche, c'est information en quelque sorte à l'UQI pour bailler ou tout nos agents ou informants pour l'Occident. So, mes chers amis, c'est un plaisir avec nous. Bon dimanche. Moi nous me salue tout beau sale les yeux. Bon so, et moi c'est dans sens ça va réfléchir moi-même. Bah là pour faire petit réflexion, bah so Kembe là, pas découragé, passez bonne soirée. Bon après-midi, bon dimanche, bonne journée, ciao.